c'est si, parce qu'à ce moment-ci, je veux dire qu'il y ait une traçabilité dans ce que vous voulez faire. Parce que si moi je décide là qu'on va tester, je ne sais pas, on va mettre la tellement pour justifier ça. Aussi, il faut donner où sont les priorités à ce pays-là. Qui est dans le besoin? Alors là, il faut se voir, c'est ça. C'est sans hésitation. Docteur, donc tu vas sauver des vies. Alors on va s'arranger à ce que tu puisses sauver des vies, n'est-ce pas? Tu sauveras beaucoup de vies, n'est-ce pas? Ça va aller. Mes souhaits sont plus pour lui, pour vous m'aider. Plus, je sais pas, quand on dit qu'on va gérer 5 hospitalisations ou 10 hospitalisations, oui. Si vous pouvez concentrer un peu sur cette nature, là, je vous en prie. Voilà. J'ai un peu là, c'est-à-dire, le médecin va dire ce dont vous avez besoin, ce dont elle a besoin pour la santé de la fille. Peut-être financièrement, ceux qui vont s'occuper un peu de vous assister. D'accord. Voilà, donc c'est un peu pour qu'on vous a fait venir. Que tout soit transparent, c'est-à-dire que vous sachiez que derrière l'assistance qu'il y a, c'est ce groupe, c'est cette fondation. Association de cadres. Voilà. Madame, d'accord. Que j'aille faire l'admiration parce qu'on a transfusé encore hier. D'accord. Que si l'admiration n'est pas bonne, il va falloir qu'on fasse une autre chose. Hein. D'accord. De toute façon, le médecin va vous expliquer toute la conduite à tenir. Donc voilà, donc 200 000 pour participer dans le frais de votre jour. Je vous remercie. Voilà. Le frais d'hospitalisation, il y a beaucoup de dommages dans le médecin. Vous êtes au courant du montant, mais moi j'aurais préféré que vous remettiez cela au médecin, d'accord? Vous allez remettre cela au médecin. Naturellement, tout ce que vous allez faire, c'est-à-dire par exemple, le médecin a dit qu'il y aura une transfusion sanguine, à ce moment-là, s'il faut payer pour gérer ça, vous payez, par exemple, si vous donnez l'argent, vous payez, vous avez la facture, vous allez savoir comment. Je préfère que ce soit au médecin. Que ce soit dans un moment donné, que ce soit au médecin. Parce que voilà la carte. Voilà. Vous comprenez, non? Et c'est possible là-bas, dans le village, c'est possible? Il y a le village à mon atelier, c'est pas loin du village. D'accord. Ce qu'on va donc faire, c'est prendre le numéro de téléphone, voir déjà comment aider ou à ce qui concerne les enfants, nutrition des et enfants. Voir comment t'aider pour la formation. Donc, on va prendre toutes les informations d'où tu vas vouloir faire la formation, payer ce qu'il y a à payer pour continuer, pour que tu puisses continuer tes études. Tu es en haut. Beaucoup de programmes. Qui est en haut? Il y a une. Je suis pas trop.
Merci beaucoup. Mais j'ai envie de vous dire quelque chose. Pensez aussi à l'indigène. Ça soulage beaucoup. On ne connaît pas. Pensez à l'indigène. Ça soulage. Pensez à l'indigène. Pensez à l'indigène. On aide avec des herbes, avec des écorces pour soulager la douleur, même pour le sang. Pensez à l'indigène. Là, déjà qu'on a ça, parce qu'on n'avait pas l'ouverture. Pensez à l'indigène aussi là. Associez les deux. Parce qu'il y a des massages qu'on peut faire pour soulager. Mais vous êtes où? Qui est-ce garage quand c'est? Amen. Les garçons aiment prendre les pantalons. Ça peut suffire, non? Ça peut vous faire plaisir.
nécessaire pour que les enfants là puissent aller à l'école, pour que toi tu puisses recommencer aussi faire la formation que tu es censé faire. Quand on a lancé le concours de l'ENIA, je veux vous dire de l'ENIA, j'ai ma soeur qui a l'éducation, je veux voir, je veux tout faire si elle fait le concours, les dossiers, comme elle n'a même pas d'argent. C'est si à l'ENIA, c'est à l'ENIA. Électricité. Okay. Mais est-ce qu'il y a des lunettes à mon atelier? C'est des lunettes. Quand tu peux, il y a des lunettes, c'est pas possible. Même en électricité, mmh. Si elle est douée, on peut la c'est former. On peut te former en électricité. Tu as fait les lunettes où? Ah, là, je suis... Le cerf est où? Mmh. Il était à mon atelier. À mon atelier. Au mmh. Mmh. Village, tu fais quoi? Les enfants ont fait qu'elle partent à l'école. Quoi, mmh. Bébé? Non, je crois pas. Ils sont venus comme ça d'un côté triplé. Oui. Mais les enfants qui ont cherché la tête. Tu viens demander que tu n'ouvres pas la bouche pour parler. Le Seigneur, même quand le Seigneur a voulu qu'elle vienne vous trouver ici, et que je l'ai même appelé. Parce qu'elle est venue me dire au revoir quand elle partait. Parce que c'est moi qui la soutiens depuis là. Oui. C'est pour ça qu'on voyait donc que je demande le lait parce que je vais lui donner le lait aussi. Il reste demi boîte de lait au village, trois bébés. Elle est obligée de. C'est comme ça qu'elle fait têter les trois enfants. Amen, ma mère. Donc, là, nous sommes à la fondation avec mon équipe. On vous a dit on est là pour aider ceux qui sont dans le besoin. Quand on dit besoin, ce n'est pas parce que ce ne sont pas des personnes qui peuvent prendre forcément soin d'elles. C'est que lorsqu'on est déjà à l'hôpital avec un enfant, on n'a plus de force, on a besoin de soutien. Et il y a des enfants qui sont vraiment dans le besoin. C'est-à-dire, même pour une facture de 2000 francs, ils sont incapables. Nous sommes venus, on a fait ce qu'on a pu faire en vêtements, en nutrition et même financièrement. Merci vraiment pour tous ceux qui nous ont soutenus dans ça. La Fondation BIA, il y a Chantal BIA, il y a vraiment des personnes géniales.